Les gars, aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. La dernière sans doute, non je ne pense pas que ce soit la dernière les gars. Mais aujourd'hui je vais vous montrer tous les dresseurs que j'ai. Les gars, j'ai quand même ça de cœur, donc j'espère qu'on aura un minimum de bonnes minutes de vidéo les amis. Je vais essayer de ne pas aller trop vite les amis. Mais attendez avant que la vidéo commence, dis-moi si tu as cette carte Pikachu. Je vais l'offrir sur mon Instagram. Du coup viens sur mon Instagram, allez dépêche-toi. Ok, merci à toi. Et oui, je vais vraiment offrir ça. Donc, je vous mettrai mon lien du concours dans la description, soit dans la prochaine vidéo, parce que là, il n'est pas encore en ligne, les gars. Mais je vous préviens que je fais gagner une carte au choix. Donc, il y a Magnéti aussi. Je peux vous faire gagner ce que vous voulez, les gars. Mais allez, rejoindre mon Insta dans la description. Comme d'habitude, les gars, on va commencer, du coup, avec les dresseurs. On en a pas mal. Regardez, on en a quand même assez pas mal. On en a une bonne ramette. Hein. Ouais, une bonne ramette, les gars. Ça fait extrêmement plaisir, ce genre de choses. En tout cas, les amis. Oula, j'ai roté, les gars. Et j'espère que vous n'avez pas entendu. Mais ce sera coupé au montage, je pense. Nous avons Dresseur Chris. Pour commencer, les amis. Dresseur Chris. Défaussez deux cartes de votre main dans ce cas piochez 4 cartes. Donc c'est pour faire des combats les gars. Dites-moi si vous voulez que je fasse des combats contre mon frère. Mais en tout cas il est plutôt pas mal donc ouais. Du coup après ensuite pour suivi nous avons Chronoball. Chronoball donc je vous lis la description. Il est comme ça les cartes et je vous lis la description de la carte à chaque carte. Lancez deux pièces pour chaque côté face. Cherchez un Pokémon évolutif dans votre deck. Montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Ok, oh non, 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 les gars, il y a celui que j'aime pas. Il y a le dresseur que je déteste le plus au monde parce que moi, les gars, je l'ai jamais aimé sur ma DS. Il m'a hanté quand j'ai joué un Pokémon sur ma DS. Il m'a vraiment hanté, les gars. Nous avons Prof Euphorbe. Voilà ce que ça donne, Prof Euphorbe. Ah, lui, il m'a hanté sur Pokémon Soleil sur ma DS. Ah, franchement, les gars, il m'avait hanté, ce mec. Piochez deux cartes. Pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon infligent 20 dégâts supplémentaires en Pokémon actifs dans votre adversaire avant application de la faiblesse et de la résistance. Ok, c'est plutôt pas mal fortifiant. Aquatique, prochain dresseurs. Nous avons fortifiant aquatique. Voilà ce qu'elle donne. Mais les gars, je vous ai montré la dernière carte. Voilà ce que ça donne du coup pour fortifiant aquatique. Alors, la description se dit attachez une carte énergie de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon sur le banc. Ah oui, donc en gros, les gars, attendez, j'ai fait le tri d'énergie. Il faut lancer ça à mon autre personnage sur le banc. Et tout simplement, il pourra vivre. Ok, je viens de capter un petit peu le mode Pokémon, les gars. Dites-moi si vous voulez que je fasse, bien sûr, des combats. Ensuite, les gars, nous avons un nouveau dresseur. Ben oui, parce que c'est le titre de la vidéo, je présente mes dresseurs. Nous avons le dresseur échange. Échange, donc voilà ce que ça donne pour l'instant pour l'image. J'espère que ça, vous voyez bien. Et du coup, la description, échangez votre Pokémon actif avec l'un de vos Pokémon sur le banc. Tout simplement, nous avons dresseur Colline Clapotis. Donc là, c'est Stan. C'est marqué Stan. Il y avait objet supporter. Donc voilà ce que ça donne pour. Attends, c'est pas comment Colline Clapotis. Tout simplement, les gars. Une seule fois pendant le tour de change, chaque joueur peut chercher un Pokémon de base ou un Pokémon de base dans son deck pour le passer sur le banc puis mélanger son deck. Ouais, je comprends rien, les gars. C'est quoi un deck? Dites-moi dans les commentaires qui sont réactivés aujourd'hui. En plus, nous avons un supporter. C'est Fan Club Pokémon. C'est un dresseur aussi, les gars. Regardez, c'est une carte dresseur. Donc, je sais pas si c'est totalement un dresseur, mais c'est des cartes dresseurs, tout simplement, les poses. Après, nous avons en description. Attendez, je vous laisse regarder l'image attentivement. Ils ont un petit enfant en plus. C'est vraiment trop mignon. Mais allez, focus. Merde. Allez, cherchez jusqu'à deux Pokémon de base dans votre deck. Montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck. D'accord, je viens de capter. Nous avons un supporter dresseur, Margie. Je vous laisse apprécier cette belle femme Margie. Les gars, si vous voulez vous marier avec Margie, mettez un like et je vous le conseille fortement.
Placez l'un de vos Pokémon avec des marqueurs de dégâts et toutes les cartes qui lui sont attachées dans votre main. Ok. Chaud un peu, hein. Après, nous avons objet. Bon, vous voyez, ça sera forcément un objet. Skateboard, évasion. Donc, je vous laisse regarder l'image attentivement. Les gars, on se croirait en maternelle quand la prof a voulu un livre. Elle fait, je vous laisse regarder l'image attentivement. Non, bien sûr, je rigole. Le coût de retraite du Pokémon auquel cette carte est attachée est diminué de étoiles. Il peut battre en retraite même s'il est endormi ou paralysé. Après, nous avons support et dresseur Tilly. Donc là, c'est ça. Et après, nous avons pioché 3 cartes. Tout simplement, les gars. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, cette petite ouverture, il nous reste 2 ouvertures à faire. Enfin, ouverture, non. 2 cartes à vous montrer. Et sachant que j'ai en double la dernière carte que je vous montrerai, les gars. Ok, et pour finir, il nous reste les deux là. Nous avons dresseur civière. Donc voilà, et il y a une longue description, regardez. Ouais, c'est la première longue description, je pense, que je vais lire. Choisissez l'une de ces options. Attendez, regardez l'image. Hein. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais choisissez l'une de ces options. Ajoutez un Pokémon de votre pile de défausse à votre main. Mélangez 3 Pokémon de votre pile de défausse avec votre deck. Mais c'est quoi un deck? Après, nous avons Fan Club Pokémon. Nous vous avons déjà regardé. Donc, du coup, allez faire un retour en arrière sur la vidéo. Et revenez ici pour la troisième. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour maintenant, on se dit à la prochaine. Tchuss!